A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ñu ngi nuyu fi tew ñepp di goor ak digeen mag ak ndaw. Ñi wote ak ñu wo ñu leen di sant. Li ñu taxaw ñew moy duñu ni li du sunu wal. Sunu wal la ndax sunu njabot ñokay def. Tay dañu wax ni lepp lo xam njabotam koy def. Tel naqari yalla and ke. Yapp la njabot jaamu. Ndax li ñuy def ni buntu jaamu yalla. Ndax dañ nan liggey ak jaamu yalla waye kan du jital jaamu yalla tek ci liggey. Ndax ku du liggey do meuna jaamu yalla. Ndax la ko waral moy so liggey loy lek dañ la ko jox loy sol dañ la ko jox loy da su delem bon dañ la ko jox kon kala ko jox momum jamu yalla kon dok mi ngeen nango liggey nango jamu yalla ndax tay ali am khalat bi bu indiko xeyna yalla dogal ni ci mom muy ko yaatu muy ko beeku muy ko bëgg dama dañ koy xédé ndax noko jitt waye ñu xéri bi ko non mo war tay li ñu Vous savez, c'est pas facile donc de faire une création donc juste pour le plaisir donc des autres. Je vais vous raconter une petite anecdote. Donc il y a juste quelques temps, voilà, merci bien. J'ai été voir un menuisier donc pour me faire des encadrements, des sachets pour mes tableaux. Donc il m'a demandé donc un prix exorbitant. Donc j'ai voulu marchander. Donc il m'a dit que en fait ça peut pas être donné parce que le bois on l'achète. Donc les clous on les achète. Donc pour pouvoir avoir un bon encadrement, donc il faut vraiment donc mettre les mains à la poche. Dieu a fait quelques jours après. Donc il a voulu que je lui fasse des décorations donc sur son atelier. Et là je lui ai fait un devis. Et quand je lui ai fait un devis, donc il a crié, donc parce que il a trouvé aussi mon devis exorbitant. Bah, j'ai fini par lui faire ça gratuitement. Donc il faut être généreux. Pour il y a un artiste qui est là, Diallo, il sait de quoi je parle. Vous voyez parfois un artiste qui dépense jusqu'à 50 000 francs sur un tableau et l'offrir gratuitement. Il faut être juste un artiste pour pouvoir faire ça. C'est la raison pour laquelle je vais vous demander, Inch'Allah, donc, d'aider l'artiste qui est là, Alimar. Donc, ce n'est pas juste de dire que, voilà, il a du talent, donc, mais il faut l'aider en achetant ses tableaux. Donc, c'est la meilleure façon pour moi de l'aider, de l'encourager à persévérer. Donc, Alimar et la peinture, c'est une longue histoire. Je me souviens déjà, il y a très longtemps, on devait avoir 7 ou 8 ans. Donc, nous étions dans la même classe. Et j'ai toujours été son idole. J'avais toujours la meilleure note en dessin et lui, il venait toujours après moi. Donc, après mes études secondaires au lycée, j'ai été admis à l'école des Beaux-Arts. Et voilà, je suis sorti en tant qu'artiste plasticien. Et lui, il a continué son petit bonhomme de chemin. Voilà, merci. Donc, lui, il a continué son petit bonhomme de chemin. Donc, comme disait tout à l'heure Iso, c'est un artiste multidimensionnel. Il n'est pas seulement un plasticien, mais il est aussi un infographiste. Donc, il fait aussi du cinéma et d'autres choses. Il va certainement vous parler donc, de ses perspectives d'avenir. Donc, je vous demanderai vraiment de l'aider donc, en achetant ses tableaux. Donc, c'est ça, Diokumboku. Art, family, fashion. Je l'ai dit tantôt, Suleiman aussi l'a dit. Si on était là à énumérer donc, les facettes de Ale, nous allons rester là. Nous allons passer la nuit ici. Et si on restait là à vous expliquer le CV de Ali, nous allons rester là et nous allons passer la nuit ici. Donc, de ce fait, Tenak, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Maintenant, nous t'as tué à s'il vous plaît. Maximum de bruit pour
accueillir M. Alemar Djoum, l'artiste qui vous a présenté ce soir et qui vous présente en ce moment même donc ces tableaux-là, mais aussi en collaboration avec donc Djoku Mboko Art Family Fashion Chess. Un acteur de développement, un homme ambitieux, un homme talentueux, le savoir-faire dans le sang, l'art dans le sang, le partage dans le sang. Monsieur, encore une fois, merci beaucoup pour votre travail ici au Sénégal. Merci beaucoup pour ce que vous faites pour la région de Thiès. Merci beaucoup pour ce que vous faites pour la population thiessoise. Encore une fois, bonne continuation sous vos applaudissements. Magnan Genta, tu vois, que vous s'il vous plaît. DJ musique, s'il vous plaît. Merci. Salam alaikum, mangi nuyu ñepp ñi fi tew. Aujourd'hui, j'ai pas tellement les paroles. J'ai pas trop les paroles parce que c'est l'émotion grandissante qui m'empêche de m'exprimer convenablement devant ce chaleureux public que je demande d'applaudir encore une fois. Merci madame Djoum qui vient d'arriver. Aujourd'hui, ce qui nous réunit là, nous n'allons pas commencer sans rendre grâce à Dieu le Tout-Puissant, mais aussi sans remercier nos chers parents, respectifs, hein, tout le monde ici présent. Remercier nos frères et sœurs, remercier nos collègues, nos amis, tous ceux qui y ont participé de près ou de loin à la réussite de ce grand événement qui nous est très cher aujourd'hui. Mais également, remercier nos partenaires, remercier tous ces gens qui ont exposé aujourd'hui. Et je rappelle que ce n'est pas Ali qui expose seulement. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le Djoku Mboko Art Family Fashion, qui est un nouveau concept, un nouveau label à travers Djoku Mboko Family qui existait déjà, hein, dont le président est là, le secrétaire général est là, qui est une association de familles, hein, qui se retrouvent pour faire des choses, pour faire des tours de famille. Mais là, je me suis dit que, mais attends, pourquoi ne pas faire une pierre deux coups? Instaurer ce qu'on appelle le Djoku Mboko Art Family Fashion et regrouper tous ces talents d'une même famille autour d'un essentiel qui est l'art et les métiers. Vous savez, nous avons une famille de métiers. Rares sont ceux comme moi qui sont dans l'administration. Mais moi-même, avant d'être dans l'administration, j'ai tâté tous les métiers de la famille. Je suis cordonnier, comme tout le monde ici présent. Hein? Et j'en ai fait mes preuves. Hein? Comme d'autres, je peux citer mon frère Ndiaga, qui est un enseignant cordonnier. Il y a des ingénieurs cordonniers. Il y a des informaticiens cordonniers. Il y a des ingénieurs tailleurs. Hein? Il y a des enseignants tailleurs dans la famille, hein? Qui, après leur travail au bureau, hein? Vont à l'atelier pour produire des chaussures, d'autres pour coudre des habits et autres. Et là, je me suis dit, mais pourquoi pas créer ce concept Djoku Mboko Art Family Fashion, non? Mais chaque personne a un parcours, une trajectoire à suivre. On a été formé à l'atelier, à Djoum Cuir, dans la famille, dans les ateliers de tailleurs, avec nos parents qui sont là aujourd'hui, qui sont des artisans. Nous n'avons pas quelque chose de plus grand que nos métiers, notre artisanat, notre art. Tout ce qu'on fait de plus, on le fait parce que c'est un truc de quelqu'un d'autre, mais nous avons des métiers de famille. Et nos métiers de famille, c'est la cordonnerie, c'est le tailleur, c'est la menuiserie,
et tant d'autres métiers que les gens font dans cette famille. Mais le concept reste et va demeurer un label pour toute la famille, pour toute une nation, pour tout un Sénégal. Et je demande à tout un chacun présent ici d'en faire un sacerdoce et de continuer le travail ensemble pour une prochaine édition. Benji Mode Fashion, qui est un partenaire et qui accompagne Diokoum Bokbar. Sous vos applaudissements, monsieur et dames, encore une fois. Ces tenues africaines présentées par Véranda Couture. Voici la collection présentée par Véranda Couture, je rappelle. Sur le label Djokoum Bokbar Family Fashion. Wow. Merci beaucoup encore une fois. Véranda Couture, je rappelle. Je t'en rappelle, nous l'accabas, s'il vous plaît. Et nous allons toujours continuer avec Véranda Couture. En première position. Avec ses belles tenues. Yes, sir. Merci beaucoup encore une fois à Véranda Couture, je rappelle. C'est toujours Djokoum Bokbar, comme Alé l'a dit. C'est la famille aujourd'hui au grand complet. Vita, tu as même voir comme à tabac, s'il vous plaît. Et on continue toujours avec Véranda Couture. D'accord. Un Véranda Couture de notre ami Serif Ibre. Serif Le Djoum. Et un grand merci aussi à M. Diallo, M. Boubacar Diallo. Un artiste aussi, plasticien. M. Ndiaga Djoum aussi, merci beaucoup. Voici encore une fois, toujours, les tenues, la collection de Véranda Couture de notre ami Serigne Ibre Djoum. Machallah. Wa yitatu wa yitatu wa plein du bas, s'il vous plaît.
s'il vous plaît. Et le savoir-faire, la classe, l'originalité, l'africanité présentée, le symbole, la chambre de commerce de Thiès avec le label Jokumoku Family Fashion. Wow. Yes, sir. Et merci beaucoup à ce beau public, ce charmant public présent ici. Je t'attends un moment à voir, s'il vous plaît, le mannequin en train d'être dit. Mode de fashion. Sont là présents, Maya Diomé, tout à tous les Boubas, et bien aussi les parrains de cet événement. Niomi, ils sont là parmi nous ce soir. Sous vos applaudissements, toujours avec Véranda Couture, de notre ami Serigne Ibrahim. Waouh, Machallah. Bonne carte avec vous, Véranda. Voici, juste après la sortie finale, et donc la présence de notre papa. Ça, c'est génial. Ça, c'est émouvant. Je t'attends comme Dalamsi, papa. Aïcha. Sous vos applaudissements, messieurs, dames. Merci beaucoup, Didier Son. Et en attendant, nous allons accueillir Serigne Ibrahim. Maniam, il t'a avoir, s'il vous plaît. Serigne Ibrahim, notre ami, Serigne Ibrahim, Véranda Couture. La famille, le sang, l'art, le savoir-faire, le talent, la passion. Merci beaucoup, Serigne Ibrahim, notre ami Serigne Ibrahim, Véranda Couture, je rappelle, et qui nous a présenté cette collection ce soir. Waouh! Bien contacté, non? Yes! Merci beaucoup, Serigne Ibrahim. Aïe, nous accompagnons avec les mannequins, s'il vous plaît, de NG Mode Fashion. Et là, merci beaucoup encore une fois. Merci beaucoup. Et un mot juste pour Serigne Ibrahim. Merci beaucoup. Aïe, tu as notre ami Serigne Ibrahim. Donc, tu vas juste dire un mot et donner l'adresse, mais aussi le numéro de téléphone. Le 10 mai 2007, là, je suis venu. Je suis venu aussi, Gorgo Ludjab. Comme je suis venu, je suis venu. Ça, c'est ce que je suis venu. Je suis venu. Je suis venu. Je suis venu. Alhamdoulilah, je suis venu. On m'a dit tout à l'heure, ce que je suis venu, Al-Quran. Mashallah, je suis comment ça se fait d'allier ces deux choses? Si le est présent, il est présent. 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 Il est présent.
ndax état bi ñu yor ñu mo ngi non difficile ñu nekkon ci doon boy lecc mu yor ñu diñu jangal métier bam no ngi jang alcorane di jang coréen nga moy suñu dret tapissé bi ni dam ko def ndax sama papa lool moy fepp la mëne mom ñun fepp la mëne dal ko ñu yobbu ñu liggéey tablo daar yi dañ daan tok al di liggéey man ko fi du ni ni la Windows 7 Windows 8 bima koy tuddu machine bo xala ken xalaatu won dina am bam no ngi liggéey ci yenen machine wa la Windows 8 da buñ ko amone takata bob jamono dina ñew ban rombu ko gis nga mo ngi non merci beaucoup ñu tattu wat ko bu baaxa baax s'il vous plaît accompagner ko donc Ibra notre ami L'Africanité au rendez-vous, le savoir-faire, l'Afrique honorée avec, Mashallah, Baksanginom. Wow. Nous tâchons notre ami Baymore et Ale, espace VIP. Voici la collection de espace VIP de notre ami Baymore et allez, sous vos applaudissements, monsieur, dames, toujours pour cette première édition de Jokumboku Art, une family fashion test qui nous présente la collection Reflex. Merci beaucoup, Omar. Je t'ai dit à nous voir comme un espace VIP de notre ami Baymore et Ale. Mashallah, le monde jaune. Je m'en dis à Madame Diouf. Hein, Ale? Waouh! Je t'ai dit à Madame Diouf, t'as dit. Ale n'est jamais à la maison. Ale n'est jamais à la maison. Ça, j'en sais quelque chose. Je t'ai dit à nous voir comme Madame Diouf. Pour que vous ayez une compréhension. Mais aussi soutien à Bibataïli Monanek, c'est très important. Derrière chaque grand homme, il y a une grande dame. Moi, je dis non. À côté de chaque grand homme, il y a une grande dame. Pourquoi derrière, M. Diallo? Hein? Il faut être à côté, c'est mieux. Nita, tu vas nous voir en bas, s'il vous plaît. Et donc, Mme Diome et toute la famille, toujours à espace VIP. Nous sommes présentés dans nous, nous avons une collection de l'idée. Merci beaucoup, nous t'avons vu voir Baymore et Ale qui nous a présenté donc cette collection. Je demande à Ninga Hamni et les coloniens qui ont donc ligué pour les hommes sur le Ninga Hamni Hamni et ces tables là, Ninga autour donc de ces. Mashallah, merci beaucoup, d'accord. Ok.
et on va accueillir ici et maintenant Baymore et Ali. Juste à toi, Tembouba, au bas, s'il vous plaît. Baymore. Merci. Merci beaucoup encore une fois. Sous vos applaudissements, monsieur dame. Wow. Et je vais vous aller. Nous allons accompagner les mannequins. Nous rejoindre les gars et les coulisses. Merci beaucoup, Cécile. Merci beaucoup, Mort. Ok, allez, et bye, Mort. Et je vais vous aller. 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 Je vais vous dugol ñu ci pour ko défé ñu fess waaw bu ñu ko waxé nak taxaw bayiwuñ ben yoon ñu ci liggéey man ak sama waji Alé ñu ne ci di liggéey ba tay ñew présenter suñu modèle xam nga jéma waaw wone suñu loxo dal depuis ñaata at yi ngi ci li waaw yag nañ ci nak depuis 2002 ba légui ñu ngi ci waaw depuis 2002 ba légui ñu ngi ci mais nak biñu ko Alé waxé ñu ni ah yoon la ñu ñew tamit wone li ñi def waaw bu ko defé ñun timit ay gën ñoo xam bu baaxa baax mais daal ñu ngi rafet lu bës bi bu baaxa baax di gërëm Ali di ko ñaanal yalla fi mu bëgg ag ñal ko sa borom agalé inshallah nga jox ñu adresse yak numéro de téléphone bi way ma ngi nekk som waaw wetu bédé yassine ku la nekk téléphone bi 77 784 1874 waaw merci beaucoup ñu tatuat ko bu baaxa baax Nous gis comment aussi mo def ay exploits yu am solo dans le domaine qu'il fait motax mom aussi ñu tan ko mu nek parrain de cette première édition donc adiandé la sama jigen la ñepp xam nañ ñima démé ak mom tamit marraine la ci édition bi donc suñu démanté ci deuxième partie bi dinañ cité ñeneen ñi madame Djoum merci beaucoup ma ngi jéggal bu baax comme Nico Isé waxé. Merci, je remercie aussi ma femme, mon première marraine, hein, Madame Djoum. Je ne suis jamais à la maison. Minuit, une heure, là, ex-Kerga et Souleymane en sait quelque chose d'autre. Tafa ici présent. Donc, merci, mon ami, mon première marraine. Madame Djoum, Aïda, vous pouvez vous lever. Merci, bien. Merci. Merci Madame Djoum. Aussi, il y a dañu am ay partenaires fi téw aussi muy One Africa muy des jeunes yu innové dinañ leen jox parole tout à l'heure aussi ñom ñu présenter sen produits ak ay étudiants yo xamné dañu am ay projets yu nek fi dinañ len jox parole tout à l'heure aussi ñom ñu ñew présenter sen projet mais ñi ñi présenter ils ont moy les cordonniers muy deuxième passage production yi après le stylisme et il y a la place à la cordonnerie donc ils ont ma baay la nga présenter cordonnier yi nga xamni ñom ñoo produire dal yi nga fi gis ni nga nek école nga nek manam ci administration fu meunta nek am nga tant soit peu un petit talent de cordonnier ba ci man mi di wax je suis dans l'administration mais je suis aussi à l'atelier suma jogué at administration tiambar ma lay téré lool liko waral nak moy yar biñu yar amuñu won job ku sante djum meuna football bari wul ndax lan bo wacce école da ngay dem alcorane bo jogué alcorane jour bo demul alcorane demo école mbar non lañu yaré won yakarna tay becc wuñu ko ndax manam ce savoir faire là muy travailler le cuir manam dafa am yenen compétences yo xamanteni da koy développer ci nit ndax fim tollu ni en terme d'éducation yakarna fim tollu ni on parle de compétences moy lan un savoir faire
du savoir bo xamanteni day don un savoir déclaratif mais savoir la bo xamanteni dang koy mettre en œuvre lolou nak nga xamanteni su fekke da nga jang école yam sem de 3e wala lu meunta don la nga don jang en terme de géométrie wala lenen yakarna gaay dinañ ko transformer fi ci métier bi ndax ay figures ay formes lañuy travailler lo xamanteni day joggé ci surface plane ba ci forme volume ñu def ko muy dal lutax ma salam aleikum wa rahmatullah en fait lutax ma sawara djel fi parole sama baye mbaw la sante donc kep ku fi cordonnier autant suma la joxul dert do o suma yaay sante djum té kune sénégal djum cuir xamna né fi moy adresse ci kaw bu ci souf la wax lima sol samay mbokk ñoko ñaw ñoko liggéey et je défie tout le monde là kep ku dem versailles ak versailles xamu lu mu tuddati nga taxaw fi ma taxaw fi ma la gëna jantal costume bi lamine jassé couture sama cousin la dali yi salou djum mi ngi ni chemise bi yas djum mi ngi fi ceinture bi ñom la donc c'est du 100% sénégalais bu ñuy wax développement fi le commencer ben affaire rek lay déplorer moy que tous ces ingénieurs là l'état ne les reconnaît pas ils n'ont pas de diplôme ils peuvent pas délivrer des diplômes parce que qui mi ngi joggé ci djum cuir mais djum cuir mënu délivrer diplôme ça c'est la faute à l'état su fekké né amna fi ñu fi nek représenter état bi nañu fexé ba suñu centre de formation yi nga xamni c'est pas formalisé ñu fexé ba ku joggé djum cuir sauf gëné ak diplôme mais fop fo dem boko wané ci tuba bi nga xam dañu gëm ay ki wala ko wala ñu né ki c'est quelqu'un de très bien formé heureusement qu'il y a les américains qui ne pensent pas à ça ñom dañ nan la what can you do da ngay ñew ñu jox la 20 observer la pendant 2h 3h lan nga mëna def ñi ku leen jox na la lan nga mëna def di nga xamne liñu mëne kenn mënu mais nak comme ñepp duñ ay américains nañu fexé ba état bi reconnaître suñu ingénieur yi suñu centre de formation yi dañuy wax ay 500 000 ay 1 million d'emplois emploi yi ñu formé ñom buñ ko génné won ci limbi di ci dess lu néw la la formation à la base ce sont ces gens là le développement de Sénégal je l'attends de ces gens là et ci ñom ñokay def il faut que ñeul nit ñi jël conscience dañuy jobu ben xalé ba CM2 mu jall ñu né non na dem def mécanique non na dem def cordonnier donc ñom ñoo jëk soufel métier bi pour mu dëgeur il faut que ñu xamné nit day dem ba am bac wala ba nek un enseignant wala ba nek un maîtriseur delu ci métier bi développer ko c'est ça le développement nit ñi la bëgg ñu gëm loolu le Maroc actuellement su leen waxé chiffre d'affaires Maroc ci ay Marrakech nga dem au Burkina Faso le chiffre d'affaires le PIB lan la la cordonnerie ñoñu ñu ñoo leen dakk liggéey fouf mais ça ne passe pas il y a un problème d'organisation c'est un problème d'organisation encore une fois il faut que deewene buñ fay jowat ak benen deewene ñu xamné le développement du Sénégal passe par l'artisanat ñun ñu sante djum ñant mbaw ñoy développer Sénégal ci kanam tere djof Je rappelle, nous sommes en compagnie de notre ami Rakiba Bakoutu qui nous présente sa collection ici pour la première édition. Wow, you
L'ensemble des collègues de M. Alain Mardiou, notamment les amis de l'hôpital Amadou Sakhine Yegen de Thiès, et donc personnel Seigneur Oufeke Bestiop, mais aussi remercier la presse qui est la prise en scène 24, aussi à notre ami, notre grand frère, notre papa, notre tonton Gustave. Merci beaucoup de la deuxième suivi, merci beaucoup encore une fois. Couture. Et merci beaucoup aussi à One Africa et qui sont aussi des partenaires. Waouh, Mashallah. Wow.
Et aussi dans la famille, il y a aussi des manques. Et dans la famille Djoum, il y a aussi des manques. Il y a une histoire de guerre de l'église. C'est dans la famille Nita Djouat qu'on voit moi. Encore une fois. L'étalé, il y a la famille Djoum, il y a tout. Laisse-moi. Dans la famille Djoum, il y a tout. Hein. Wow. Salut Salou qui est là. Zal de son. Machallah. Yes. Et toujours la famille de savoir faire le talent. Et la passion, l'art, la générosité et le partage. Donc mommy et kiss moi nya aussi David que nous sommes encore une fois du tatou à Kobo Bakaba Salou. De toujours la famille. Oh, voici le grand styliste de la famille Djoum, le grand Yas. Et voici, et donc maintenant, la sortie finale pour rejoindre le grand Yas. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup pour le travail. Merci beaucoup pour l'encadrement, merci beaucoup pour l'accompagnement. Aïtien, merci beaucoup encore une fois pour la sortie finale ici et maintenant. Aïtien, sortie finale. Machallah, rappelle-le, Yandilon. Après, nous allons enchaîner directement avec les distinctions, n'est-ce pas, allez. Ah. Et les remerciements, et après, il y aura un cocktail qui vous est offert pendant ce temps. Il y aura une séance d'interview avec l'ensemble des invités. Nita tuat den bu baakha baax ta tuat ñu xamni moy rakki bamba ma sha Allah liggey bi yagg na waaw waaw te salé c'est
OK, c'est bon, MJ. Aïcha, ñu tacc nak Rakib Bamba mu ñew nak, s'il vous plaît. Liguey bu yagg bi ñeen xamni gis ñeen ko fi momit mu bokk ci ñi ko présenter bokk ci ñi présenter tay sen collection. Khadim Jung, señ bu mag, machallah. Aïcha Khadim, ñu tacc wat ko bu baaxa 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 baax, s'il vous plaît. Merci beaucoup Bamba. Merci beaucoup. Ñu tacc man nak ñu dem rejoindre li nga xamni moy coulisse. Tacc len mo man kay yandi way, hein? Merci beaucoup man. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Yes sir. Wow. Yes sir. Merci beaucoup. Merci beaucoup Mzo. Ñu tacc wat len bu baaxa baax, maximum de bruit. Bamba, Bamba, juste deux mots à l'endroit donc que nous avons public qui fait juste de rester impression à l'adresse, s'il vous plaît. Je suis venu à la maison de 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 la maison diko remercier bax mënu mako sante mam lepp mom la di sante kenn ko xamanteni tamit muy jibi ak matar ño bokk liggey bi quoi muy jibi ak matar di samay waaw ño nu bokk ñu Rakib Bamba stylist ño nek mo leen gëreum ñom tamit japp nañ ci liggey bu baaxa baaxa baax daf nañ seen yene xam nga particulièrement di sante tamit sama rak Seigne Saliwu diko ni yoon bi tamit non la quoi ñu gor golu rek dina bax dina mësa bax inshallah rabbi mais ma ngi gëreum cheikh bu baaxa 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 baax ma ngi koy gëreum encore une fois ma ngi gëreum cheikh may ngeureum cheikh djum daru minam koutir mako geureum bu baakha baakha baax numéro téléphone 77 809 18 42 mangi nek norfar cité apex dakar la nek quoi mais 809 18 42 moy sama numéro may sante ñep di geureum ñep c'est des vraiment des personnes extraordinaires ay rak ñu déggal ay rak yo xamni vraiment lepp luñu len bolé rek ñom dañ ci ki dañ ci and ak baymor ak serigne ñom ñep ñi nga xamni ño nekkon ci défilé bi donc ñom ñu ngi ñaan yalla rek yalla yok sen liguey vraiment ba mu gëna jëm kanam ba benen édition bi fekk vraiment ñu am vraiment d'autres opportunités de les financer de les accompagner dans leur projet donc je m'appelle Lalaï Chandiaï madame Sek donc je suis la présidente d'un groupe qui s'appelle Dimkaels donc nous intervenons dans la confection des produits artisanaux tout ce qui porte dans le cadre habillement, accessoires, chaussures, genre. Je vais vous présenter l'un de nos membres. Voici Saloum. Lui, il fait le tourisme. Non, en fait, il fait le... C'est quoi déjà? Il fait la télécom. Il y a aussi Damba. Il fait le tourisme. Et maintenant, nous allons vous présenter une des étudiantes qui est tchadienne. Elle est étrangère, donc elle fait des produits et elle va vous les présenter. Salam alaikum. Moi, je m'appelle Miremba Christelle. Je suis étudiante à l'école à Esti. Je suis une Tchadienne. Je remercie d'abord M. Ali de m'avoir donné l'opportunité de venir présenter mon produit qui s'appelle Chebe. C'est un produit tchadien qui est reconnu maintenant partout et surtout ici au Sénégal. Donc, je profite de l'occasion pour présenter mon produit. Le Chebe, c'est une poudre mélangée aux huiles qui stimule la pousse des cheveux. Bon, pour plus d'informations, vous pouvez contacter M. Ali et le produit est disponible avec moi dans le cas où vous en aurez besoin. Merci. Oui. Nous sommes aujourd'hui vraiment ravis d'être là parmi les invités. Et on remercie aussi de passage Alimar Djoum du moins, qui est mon éminu parce que je m'appelle aussi Alimar Ndiaye. Et là, je suis entouré des digital marketeurs. Et il y a aussi quelqu'un qui est là, du nom de Al Ousseynou. S'il vous plaît, applaudissez Al Ousseynou, s'il vous plaît. Et maintenant, je vais lui laisser la parole.
ñi def affaire bi. Vraiment, c'est quelque chose à saluer, c'est quelque chose à dire très fort. Sénégal am nañ capacité, am nañ possibilité def lu gëna baax ñeneen ñi li ñuy def. Da ngeen dégg tout le temps comme ni grand bi wax sang ay Versace ay Hello Figure yoy yeb ay tour la rek. Mais lepp lu nga xamni tuba bi mi ngi koy def nit ku ñuul man nako def better, man nako def bu gëna baax, man nako def bu gëna rafet. Mais problème bi ñu am moy marketing, c'est-à-dire il faut ñu fexé ba nga xamni suñu produit aduna bi xam ko. Il faut tamit ñu am tour ci li ñuy def. Damay remercier en tout cas Ali Marjoum, c'est un collègue artiste. Souleyman aussi, c'est un ami, c'est un collègue aussi artiste plasticien. Elle, c'est Sadia Sow, elle est aussi artiste plasticienne. Je crois qu'elle est la plus jeune artiste plasticienne ici à Thiès. Sadia Sow, je ne sais pas si est-ce que vous aviez... Pour ceux qui étaient venus à l'exposition aux Manufactures des Arts, ils ont eu à voir ce qu'elle a produit. Donc ce n'est pas pour rien que Alimar a tenu à ce qu'elle vienne ici. Je vais juste lui demander de dire un mot. Voilà, par rapport à l'exposition qu'elle a vue tout à l'heure. Bonjour. Bon, en fait, je savais pas que j'allais être là aujourd'hui. Mais je viens d'avoir 13 ans et l'art, vraiment, c'était pas quelque chose, quand j'avais 5 ans, que j'allais vraiment me baser là-dessus. Quand j'avais 5 ans, j'avais tous ces rêves-là que je voulais accomplir et tout. Mais après, j'ai commencé à entrer dans l'art et j'ai vu que l'art, c'est pas seulement des dessins et de la peinture, au fait. L'art, c'est la vie, l'art, c'est partout. Sans l'art, il n'y a rien. Je veux remercier Alimar Djoum. Vraiment, aujourd'hui, nous sommes ici, nous sommes quoi. Vraiment, on a un sentiment de satisfaction dans la mesure où les finances sont toutes les réalisées. Donc mënon nañ jël sen temps jël sen jot yépp consacré ko ci lenen. Donc mais dañu jëmmalat li dëkk bi am anam moy Sénégal li mo am quoi. Dali ñongi fi ya les tableaux d'art vraiment comme niko xalé bu jigen bi fi jaar sank waxé. Donc so xolé tableaux yi au-delà des dessins da ngay gis ni vraiment c'est les réalités africaines qui y sort. Donc vraiment ñong leen di remercier ci initiative bi. De les encourager aussi, vraiment, nous continuer dans ce lancer parce que seul le travail paye. De sante Alimar, de initié Mbirmi, de sante aussi Djok Mbok Family Yep. Donc, de les encourager, de les xamal ni ñun nit ñoo ngi leen di jappelé. Ñongi ci sen wet ñongi ci sen ñongi and ak ñom dal. Donc docteur Maodo Ndaw tradi praticien la bo xamni dafa spécialisé wu ci ay douleur ak ay maladie chronique. Mais suñu produit bi nga xamni am la aduna yépp ñoko bok moy ben produit à base de qualité buñu wax pomade miracle. Pomade bo xamanteni liko dalé digg bop ba wéwu tank lepp lay safra ci carton yalla. Pomade bo xamni elle a fini de faire ses preuves. Donc ñukay xamal mbolo mi dal que ni pomade bi mi ngi dox doxam ku ko xamul won na nga xamni amna ben pomade bu bo xamni 2500 lañ koy wécc ko base bi qualité la mais dañ ci def ay ñaan yalla nang ko donc les précurseurs diplômé de celle ya monsieur Salim ya Fatima imay garabi manino merci beaucoup dama wax nit bi rek né fierté bi ñu am ci suñu famille machallah ndaxte famille bi yatuna fepp fo dem ci rew mi amna ñu ci bok mais so leen gisee jokk mbokk yakarna ne leral nañ ko xalé yi dañoo and doon ben am ben association bo xamne bi ñepp ko bok ñun nak ñuy fier ci artisanat djum merci de ñu sappé mëno ay bëgg matar ba pra adonan ta manam ñi nga xamni ñom ñoy yëngu ci Natal en général waye Alimar bobu du bopam rek mom la fësalon tay parce que dafa bok ci famille bu ñuy wax famille Djoum Kuwer bo xamni ñëpp xam nañ leen fi ci Thiès Djoum Kuwer ñi nga xamni vraiment
ñom ñoo formé ko dañuy nek fi yeb au niveau donc de la ville de Thiès ko aussi ko xamné formé wuñ ko ki la formé djum keur ñom ñoko formé ñu tok ba ben moment ñu gis yenen famille cordonnier yu djub ak yenen façon artisanat d'art Ali Mar ni attends comme man yalla maynama ma am un peu de don donc ci art en général dina wone sama bop mo taxone pendant 2 mois mi gëna réfléchir ci style bi mu nek un style vraiment très particulier comme ni ko xat tout à l'heure Jeff je sais que en fait am nga un peu de notion ci art yak ma tantôt des couleurs chaudes vraiment mom mo upp ci ay tableau pour ané ni ka rek nitu action la en fait da da fay démontrer vraiment couleur yi ci tableau souvent da fay montrer nature unique donc mu nek nit ko am passe passe ci meuna yëngatu ci lepp pa di investir aussi ci côté social donc ci lolu lani du man rek lay fessel donc la famille bi nga mom moy djum cuir amna vraiment ay potentialité ak lu bari lo xamné dal mi ci bi famille bi que ça soit walum der bi que ça soit aussi walum tailleur bi donc mu nek famille bo xamné dal vraiment dañ leen tatane tété leen vraiment ci métier donc mu né nak buy exposé famille bi yeb daf leen ni bolé à travers concept bi ñu wax tout à l'heure jokk mbokk art famille mu nek association bo xamné famille djum keur ñom ñoko taxawal pour ñu dajalé compétences yeb